Salut les pêcheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors là je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour mes appâts. Hop. Alors, moi j'utilise les pelets Gooster au poisson de chez Caperlan. C'est ce qui fait de moins cher. Enfin, voilà, c'est moins cher vu que je pêche tout le temps. J'ai besoin de produits pas trop chers. Du coup, je le passe dans une machine Porket. Voilà, du coup ça passe dans une vis sans fin. Et ça se fait broyer comme la viande en fait. Et du coup, on retrouve... on part sur des pelets qui sont... en 8 mm comme ça, et on retrouve de la pâte facilement. C'est rapport qualité-prix correct. J'ai fait des carpes de facile plus de 10 kg avec, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, on se retrouve sur l'étang, je vous dis à tout de suite. Salut, alors là j'ai préparé mon mix, du coup ça va être l'amorce. Alors il y a des pelés en 8 mm, des pelés en 4 en scopex, et après j'utilise du Gooster spécial carp de chez Caperlan, toujours Caperlan, l'amorce, les appâts, tout ça, Décathlon. Bah du coup on se retrouve sur l'étang. Petit poisson au bout de 45 minutes. Hop. Ouais, on la voit. Allez, deuxième fiche au bout de 1h20. Ouais, une petite vingtaine de minutes après, elle tombe sur le coup. Ouais, j'ai pas mal de cartes, mais je crois que j'ai fait des petites. Petit débrief de pêche, milieu de pêche. Il me reste environ une heure et demie. Bon, les carpes sont encore sur le coup, je vais ramorcer un petit coup. Ah, deux décroches de suite. Ça commence à être compliqué. Ah, je sais pas, je vais être fatigué. Bon, en tout cas, ça bulle. Les petites communes. Par contre, je vais mettre le produit après. Alors voilà, troisième poisson, dernier poisson, deux décroches. Du coup, bah, trois poissons, deux décroches. De 15 à 19. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. En tout cas, quand la pêche est finie, il y en a qui se régalent. Kann sie sehen.